Salut à tous et à toutes, ici Mister Wouh. Aujourd'hui, premier épisode. Donc, comme vous avez vu derrière, il y a des règlements. Enfin, il y a des règles. Mais on s'en bat un peu les wouhou flaquettes. Je vais faire à ma façon. Tout ça, c'est de l'anglophone. Je comprends que dalle. Moi, je vais faire à ma sauce. Parce que voilà, c'est une map que j'ai achetée avec ma bonne tunasse à moi. Donc, j'ai décidé de faire avec ma sauce. Par contre, ce que je peux faire, par contre, c'est de tout récupérer ici. Ça, tout ça, je récupère même le coffre. Je le récupère. Voilà, je récupère tout ça. Je m'en bats les steaks. Et on va commencer l'aventure comme ça, voilà. En plus, on a deux coffres, c'est génial. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser le lit pour faire un trou ici. Là, c'est pas mal. Tout ça, on va casser. Ça se casse, ça, ou pas? C'est de la bedrock, ça se casse pas. Ah bah, il y a intérêt que ça se casse, parce que moi, j'ai pas envie de garder ça. Bon, tout ça, on casse, hop. On va vraiment casser tout ça. Voilà. Parce que j'en ai pas besoin, sincèrement, j'en ai pas envie. Good luck, tout ça. Mais comme j'ai dit, hein, quand vous achetez vous-même un monde, vous vous en foutez que ce que dit jeu. C'est votre monde, c'est votre jeu. Moi, si j'ai acheté ce monde, c'est pas pour suivre forcément à 100% les règles. Enfin, c'est surtout que je comprends pas l'anglais, donc du coup, ça règle le problème. C'est que j'ai prévu de faire moi-même mes règles, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais tout simplement casser tout ça. Voilà, et du coup je vais casser tous ces trucs là. Maintenant on va repasser en mode survie. Hop. Et voilà, donc ici ce qu'on va commencer à faire, c'est de creuser tout simplement là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pioche. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à prendre à part creuser ici. Donc ici je vais voir à quel niveau je suis. Donc c'est ici apparemment. Donc, de où Cocamania, voilà. Donc on va récupérer ces trucs. Et en fait en dessous, ce sera notre base, tout simplement. Je trouve que c'est une très bonne idée. Hop, une base ici, c'est pas mal. Voilà, je récupère tout. On a déjà un ennemi. Où meurt. Bon, apparemment c'était le seul ici. Du coup vous voyez, on a un truc pour dormir, c'est aussi pour ça que je viens là. Mais on va devoir s'occuper à régler ces petits soucis de luminosité. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, je ne trouve pas de lampe. Je vais devoir aller en chercher. Hop. C'est ce qu'on va faire pour débuter. Oups. J'ai du talent. Quel talent ce mec, quel talent. Waouh. Pardon. Donc voilà, on a
on a l'entrée de notre zone secrète, qui ne l'est pas forcément pour l'instant. Mais voilà, c'est là où on habite. On devra... Anthony, habite ! Non, je connais. Donc voilà, c'est tout. Ce qu'on va faire du coup maintenant, c'est qu'on va essayer de trouver un moyen de se casser quelque part. C'est juste, on a des pierres. Heureusement, on a ce qu'il faut pour pouvoir déjà aller dans certains endroits. Donc aller où, je sais pas, mais on va... où je pourrais aller, je me demande. Là-bas, ça m'intrigue énormément. À manger peut-être. Ouais, à manger. Manger. Oups. J'aurais bien... Normalement, de base, j'avais déjà commencé un épisode sur ça à l'époque, mais... C'était du à ce moment-là du 720p. Mais j'avais trop pris... C'était trop long, en fait. Ça faisait des heures et des heures, plus de 50 minutes. Et en plus, on m'entendait pas. Donc, voilà. Ici, au moins, on m'entend correctement. Certes, on est de retour au même niveau de qualité de son, mais au moins, le son est correct au niveau de ton... Enfin, je veux dire, c'est assez fort pour qu'on m'entende dire... Qu'on m'entende suffisamment... Mais à cette époque-là, le son était tellement faible que c'était pas ouf en fait si t'avais un PC ou un truc. Ici, ça va, il n'y a pas de problème. Ultra ouf, mais au moins déjà on remarque quelque chose, c'est que en effet il y a eu un udapt, c'est les lanternes. Par contre je suis vraiment navré, mais je suis un bâtard parce que en fait je vais te piquer des lumières, en fait une sur deux. Je te les ramènerai plus tard quand je pourrais être de retour, oula, en récupérer, etc. C'est temporairement, je t'en pique comme un gros bâtard parce que j'ai pas d'autres moyens. C'est pour éclairer ma maison, quoi, petit personnage que tu es, de personnage. Parce que là, on voit carrément rien. Oh, c'est mieux. En fait, vous voyez, mais moi je vois rien. Avec ce que j'ai comme avec le vidéoprojecteur, c'est tout noir de mon côté. C'est dingue à quel point que c'est noir, quoi, c'est complètement noir. Donc vous voyez sans problème, moi je vois rien. C'est ouf à quel point ça fait une différence quand tu vois la vraie résolution. Que c'est de ma faute, mais je m'en bats les ouf, la quête, je lui pique tout, et comme ça il va avoir bien des monstres qui va le faire chier. Non, plus sérieusement, c'est parce que j'ai pas le choix, mais quand j'irai récupérer des trucs, je lui remettrai de la lumière plus tard, ou pas, parce que je vais crever apparemment. Non, j'éconne, j'ai fait le truc mode machin, garder l'inventaire, parce que je me donne le droit d'avoir un truc comme ça parce que sinon c'est pas jouable. Hop. Ah bah c'est déjà mieux, mais là il manque encore de la lumière, mais c'est déjà beaucoup mieux. Donc on va dormir.
meurs. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être devoir réalourdir ce pont. Parce que là, c'est vraiment mode strict minimum. Ça va, apparemment. Bah oui, mais encore une fois, ouais, tout ça c'est top, mais. Oh non! Ça je le laisse. Par contre, ça je peux peut-être tout récupérer. Hop! Je chou-rafe tout. Bon, après, tu vas me dire, le personnage ne dit rien, parce que. Il ne dira rien, il n'est pas codé pour se péter à ce niveau-là, donc. Il va pas m'engueuler, il va pas me taper, donc. Pourquoi pas en profiter et être une grosse salope et piquer tout ce que il a. Attendez. Ce qui est bien avec mon Avermedia, c'est que je sais savoir quand j'arrive plus ou moins à 20 minutes parce que l'Avermedia, en fait, il va commencer à clignoter en fait. Un peu plus en fréquence, le bouton d'enregistrement va commencer à clignoter et du coup, je saurai que j'arrive à une limite de temps suffisant pour cutter et couper. Et ça c'est bien, c'est non sincèrement ça paraît c'est le bonheur pour les vidéos, c'est vraiment très bien. En fin de compte que ce soit du 1080 on s'en fout, je peux pas passer en 720p, c'est rien. Enfin je voulais mettre du 720p du 720p 60 fps, hein, pas du 720p simple. Maintenant vu que maintenant je peux enregistrer sur comme ça, bah, c'est vrai que il y a plus besoin en fait, c'est bon. La qualité comme elle est là, c'est plus que correct. Il n'y aura pas besoin de plus. Bon, alors, on va peut-être aller par là, du coup. Parce que c'est le principe du jeu, hein, c'est d'aller dans plusieurs endroits. Tout simplement. Oui, pas d'inquiétude, j'ai retiré l'ingérence des monstres. Je suis pas débile. Bon, ben, on va se quitter ici, du coup, parce que... Voilà, voilà. Alors ici j'ai remarqué. Ce qui m'énerve c'est que je sais pas où sont les torches, où on peut trouver des torches déjà au début. Ça m'agace un peu. Je vais me donner un seul droit pour débuter. Allumer toute ma salle correctement. Parce que là c'est pas ouf. Hein. Vous allez me dire ouais tu triches. Non je triche pas, je... C'est le... C'est juste que j'ai pas d'autre choix parce que c'est pas jouable avec c'est que des torches donc je me les offre. Je vais juste mettre suffisamment de lanternes ou de torches dans ma zone parce que c'est pas très agréable en fait. Il fait trop sombre. Je vois rien et j'ai pas envie de me casser le cul à chercher 10 000 torches ou lanternes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer des lanternes et on va en mettre ici pour qu'on puisse voir mieux. Je n'irai pas faire de vidéo pour chercher après des lanternes, ça il faut arrêter. C'est des trucs pour la lumière, pas besoin de machin pour la lumière. Voilà, et c'est la zone de recueillement ici pour dormir. Je vais pas aller me casser le cul aller faire du truc alors qu'on dort juste ici. Ah, c'est beaucoup mieux. Au moins je vous le montre que ce que je fais. C'est un peu coquin mais voilà. Moi ça m'aide plus parce que sincèrement sinon c'est pas jouable. Voilà et du coup ce que je peux faire c'est que je vais rendre ça sur moi à l'autre pour que ça soit lumineux. Je le rendrai plus tard. Mais voilà, c'est mieux pour moi, je préfère. Parce que sinon c'est pas ouf. Après, j'ai toujours joué comme ça. Après on peut appeler ça de la triche. Non, pas forcément, enfin. Oui et non. Disons que c'est vrai que techniquement c'est mieux de faire tout soi-même. Mais ici, vu que j'ai pas beaucoup de temps et que j'ai pas envie de trop traîner, eh ben je préfère faire ça comme ça. Et puis par la suite, on fera les choses plus sérieusement. Mais par la suite, je vous promets, je ne tricherai plus. Ici, c'est vraiment parce que je peux pas faire autrement. Parce que je dois partir en fait aussi. C'est surtout ça en fait. Je dois vraiment partir aller faire des courses et tout ça. Et du coup, j'ai pas de temps. C'est aussi ça qui joue un peu, j'avoue. Je vais pas vous mentir, vous voyez, je suis sincère avec vous. Donc du coup, comme je dois partir, je préfère
skipper ce moment-là où j'aurais dû aller. Et surtout que je sais même pas comment on les craft ces lampes, donc voilà. Donc ça, je m'offre ça pour le débuteur, parce que je suis nul. Donc je me dis, allez, en tant que débutant, je m'offre quelque chose, je m'offre les lumières. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose que je m'offre, et sur ma mise en plus, c'est les lumières pour éclairer mon endroit pour dormir. Mais pour le reste, je vous le jure, je ne tricherai pas. On fera la survie correctement, comme des grands, sans saucisses grillées. Voilà, donc je vous dis à bientôt, c'était Mister Wu. On va monter en haut pour mieux admirer le monde super que ce jeu nous offre. Voilà tout ce qu'on va faire, donc prochaine vidéo c'est d'aller là, et à ce moment, donc ici et là-bas, et à ce moment-là on récupérera ce qu'il faut en termes de bois et tout ça. Là, il y a aussi, je sais pas, et c'est sûrement de la nourriture ou quoi. En tout cas, oui, c'est pas bien de tricher tout le temps, mais après, ici, c'est plus un joker que je m'offre, en plus, que, c'est plus un joker, en fait, que je m'offre, que de tricher réellement. On va dire que c'est un joker que je me donne droit d'avoir. Après, vous avez aussi vu que, de toute façon, même déjà quand je crève en fait, ben je perds pas toutes mes affaires. C'est vraiment le mode ultra easy tranquille. Ce que j'aimerais bien en fait, c'est d'avoir un pote avec qui tourner et jouer. Ce qui va dire que du coup, je serais obligé de toute façon à ce moment-là avoir deux sources externes. Donc il y a peut-être des chances que j'utilise mon autre micro à ce moment-là. Parce que du coup, oui, il y aura pour qu'on puisse l'entendre, ben, il faudrait que j'enregistre externement sur mon PC. Ou alors, lui aura juste son micro à lui et ce sera bon. Et du coup, ça enregistrera le son chez de lui. Et en même temps, vous aurez le son... et du coup, ça va me refaire le même mode qu'avant, devoir enregistrer deux fois de suite. C'est ça qui va être un peu chiant. Mais bon, à part ça, ça va. Ça va. Donc je vous dis à bientôt, c'était Mister Wouhou, bande de toutruffes, et portez-vous bien surtout, et amusez-vous bien surtout, c'est important, faites-vous plaisir, et voilà, mais faites pas de bêtises, ni 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 ni, bande de toutruffes.